thank mm -hmm. you Bonjour et bienvenue au dixième épisode de Partir en affaires, le show, le podcast coffre à outils qui vise à partir à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'humaniser votre image de marque avec un géant, avec un colosse du marketing qui a pris d'assaut LinkedIn il y a quelques mois avec sa série de, de vidéos. Salut Isaël Morin, comment tu vas Allô Mathieu, ça va très bien aujourd'hui et toi? <laughs> ça je, va vais, je vais bien, merci. Écoute, on va commencer par zyuter un petit peu ton euh, profil LinkedIn, comme on en a l'habitude, euh, pour te présenter davantage. Euh, dans le fond, tu, fais, tu portes plein de chapeaux. Toi, tu es euh, directeur marketing chez Lexstart. Tu es aussi formateur en stratégie médias sociaux et également euh, conseiller marketing chez Correlation. Yes. Euh, tu tu enseignes aussi à l'Université de Montréal de de ce que je vois ça. sur LinkedIn. C'est bien ça, ça va faire deux ans. Donc, j'ai eu plusieurs cohortes. Okay. Et euh, c'est terminé ta websérie, c'est pas un show de cuisine? Oui, en fait, euh, j'ai commencé ça en 2016 et donc euh, j'ai fait une centaine de vidéos. Euh, j'ai mm -hmm. documenté plus d'une soixantaine d'entrepreneurs ici dans la province de Québec pour aider notre génération à vivre de leur passion. Et euh, dans le fond, j'ai fait ça en 2016 et jusqu'à il y a environ un à deux ans. Lorsque j'ai, euh, on a 24 heures dans, dans notre <laughs> journée. Donc, je n'ai pas eu plus de temps pour, pour continuer ça. Et donc, euh, c'est ça, 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 ça s'est terminé il y a environ un à deux ans. OK. Et puis, est-ce que tu avais déjà la passion, le, le, le plaisir du marketing avant de partir ce show-là? Euh, je dirais que oui. Euh, en fait, ben, comme on a pu le voir euh, dans mon profil, j'ai cofondé Dream On, qui est euh, une entreprise en événementiel. Donc, on a organisé plusieurs événements ici dans la ville de Montréal. C'est moi qui s'occupais de la communication. Et avant ça, en 2014, j'ai fait un stage en marketing pour une auberge, qui est mm. euh, l'auberge alternative du vieux Montréal. Et lorsque j'étais jeune, quand on allait skier ou faire du snowboard, je créais beaucoup de vidéos. Donc, c'était vraiment en 2000... Euh, ben là, je ne suis pas si vieux que ça, là, mais c'était comme en 2004 ou 2005. Donc, je faisais beaucoup de vidéos, beaucoup de mm. contenu, mais il n'y avait pas Facebook dans ce temps-là. Puis, euh, donc, le, le, la piqûre du marketing, j'imagine, tu es venu euh, très, très fort. Entre autres, justement, clairement, il y a quelque chose de, de relié avec la, la vidéo. Ton parcours est lié étroitement ouais. avec la vidéo. Euh, et euh, comme je le disais un peu dans. dans d'entrée de jeu. Euh, de, il y a quelques mois, tu as décidé de commencer à... Euh, D'ailleurs, tu le dis avec, sous ton nom euh, sur LinkedIn, tu publies une vidéo conseil branding à chaque semaine. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné le goût de revenir à la vidéo, mais justement sur LinkedIn, Puis ça, va nous, ça va nous amener justement dans, dans le branding, parce que les conseils que tu donnes par rapport à ça en vidéo. Parle-nous un peu de l'origine de ce projet-là. En fait, ce, ce projet-là, euh, ben, je voulais le faire depuis un bout. Euh, donc, euh, je voulais comme, aider les entrepreneurs avec leur propre brand. Euh, je l'ai fait beaucoup dans les formations à l'Université de Montréal. Donc, ça va faire deux ans que je fais ça, mais avec la pandémie qui a frappé littéralement il y a ben pas la pandémie, mais le confinement qui a frappé il y a environ 12 mois pile. Donc, c'était le 14 mars c'était le 15 mars que ça a commencé. Et euh, je venais de commencer ma quatrième cohort ». Co cohorte, à l'université de Montréal et là finalement ça s'est coupé parce que je pouvais plus faire ces cours-là euh, et on on les a pas faites en ligne donc ça va faire environ comme neuf c'est ça 9 à douze mois que j'ai fait ces cours-là et je m'ennuyais donc je m'ennuyais d'être là pour le monde puis d'aider aider ces entrepreneurs mmh. et donc je me suis dit pourquoi pas comme créer du contenu créer des vidéos pour venir en aide et donc essayer de partager toutes les expériences puis toutes les connaissances que j'ai et jusqu'à présent, je pouvais pas trop le faire parce que j'avais beaucoup de contrats. Donc, je travaillais à temps plein avec l'Extart. J'avais des contrats aussi sur le side. Et donc, maintenant, depuis les vacances, je me suis vraiment dit, ok, là, je vais travailler un peu moins sur les contrats, mais je vais créer vraiment qu'est ce que j'aime. Puis, j'aime vraiment ça créer les vidéos. Et donc, j'en crée une à chaque semaine. Euh, et donc, c'est le mieux que je puisse faire. Et si j'avais plus de temps, j'en ferai plus. Ouais. <laughs> et, et je trouve que tu es quelqu'un qui incarne réellement ce que tu prêches, c'est-à-dire que tes vidéos apportent toujours de la valeur avec énormément de, de générosité. Merci. Et les conseils que tu donnes, ben tu les incarnes à 100%. Euh, non seulement ça, mais euh, souvent, je vois des gens créer du contenu sur Internet, puis après ça, ne plus participer à la discussion qui est en dessous du okay. contenu. Ouais. Toi, j'ai remarqué que systématiquement, tu vas renchérir, tu vas commenter. Quand les gens laissent des commentaires, des questions, tu es présent, tu es là avec je eux. Je commente donc... toujours, oui. Mm -hmm. Et je connais leurs noms, donc je les revois qui reviennent. Mm -hmm. Alexandre, je le vois pas mal toujours. Euh, Andréane, coach aussi, qui est comme tout ouais. le temps là. Donc, <laughs> c'est les, les personnes qui reviennent et je suis vraiment très content. Et je commente à, à toutes les personnes, puis si je peux donner encore plus de contenu puis les aider. Et il y a des commentaires aussi que j'ai donnés qui sont relativement longs, qui étaient quand même personnalisés pour la personne que j'ai pris le temps d'aller voir euh, son profil puis comprendre qu'est-ce qu'elle faisait. Je suis même allé sur des sites web pour faire, tu sais, c'est ce que tu pourrais faire. Moi, ça ne prend pas beaucoup de temps parce que je travaille là-dedans. Donc, si je peux aider en pas beaucoup de temps puis en texte, pourquoi pas? C'est beaucoup une question de reproduire moi, je dis tout le temps, il faut être sur les réseaux sociaux comme on est dans la vraie vie. Si tu ouais. étais devant un groupe de personnes dans la vraie vie, puis que tu, 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 tu faisais une mini-conférence, puis que là, les gens avaient des questions ou des commentaires, puis toi, tu quittais la salle. Ça ferait bizarre un peu. Ça serait vraiment weird. <laughs> <laughs> c'est vrai que ça serait vraiment awkward. En tout cas. <laughs> je pense que c'est important de rester dans la salle puis de jaser avec le monde. Puis c'est ça qu'il faut faire en autres, sur LinkedIn. Et euh, c'est intéressant parce que quand tu m'as écrit le, le thème que, de, dont tu voulais qu'on parle aujourd'hui, tu m'as écrit un long. Moi, je l'ai raccourci là, mais tu m'as écrit un, un long un long thème puis je vais le lire au complet. L'importance d'humaniser son brand. Donc, son image de marque ou celui de son entreprise dans un monde numérique où beaucoup vendent que du rêve ouais. et tu as, as écrit illusion d'une vie parfaite. Je ne savais pas que j'avais dit ça, <laughs> par contre. <laughs> oui, ça fait beaucoup penser à moi. C'est quand même plus, par contre, Mais, ouais. mais on, il, y a deux, il y a deux trucs là-dedans. Puis, euh, ben, moi, déjà, on a commencé à amorcer un peu le côté euh, vendre que du rêve, parce que si effectivement tu lances une discussion, puis qu'après ça, tu quittes. Tu es un peu dans le OK, il faut que je crée du contenu sur le web. Je, faut que je, des fois, j'essaie de repiquer des éléments de, qui vont créer de l'engagement. J'utilise des bonnes pratiques, mais l'authenticité n'est pas nécessairement là. Et ouais. les, dans, dans humaniser son brand, j'imagine qu'il y a justement à être connecté avec son authenticité. Par ouais. où un entrepreneur peut commencer pour humaniser son brand? Euh, ben. Je pense que tu en as parlé puis tu as commencé à parler de ça avec euh, l'autre podcast que tu as eu il y a, il y a quelques jours euh, donc c'est le pourquoi donc c'est se, se poser la question pourquoi est-ce que tu fais ça puis pas vraiment pour le cash parce qu'à la fin de la journée le cash c'est le résultat euh, comme Simon Sinek pourrait dire I guess en euh, c'est vraiment se demander pourquoi est-ce que tu es là puis quelle est ta place dans ce monde quelle est la place de ton entreprise dans ce monde et aussi euh, là, il y a des, des petits exercices que je pourrais parler un peu plus tard, euh, qui sont relativement concrets de, de, de comment, dans le fond, répondre à cette question-là. Euh, ben, pourquoi oh, pourquoi oui. ne pas le faire maintenant? Ah, on, okay. on est dans le sujet. Ok, bon, ben, parfait. Moi, je dirais, sort tes exercices maintenant, puis allons un peu dans le désordre euh, s'il okay. le faut. <laughs> parfait. Ben, écoute, euh, le premier truc que je pense qui pourrait être bien, euh, puis que je ne vois pas vraiment euh, quand que je regarde euh, les plateformes fais mes réseaux sociaux, c'est que les entrepreneurs soit pour un brand qui est personnel ou pour un brand pour son entreprise montrent pas beaucoup leur face. Toi tu le fais vraiment beaucoup et un très bon exemple que tu fais et que je me suis fait dire par ma collègue qui t'a rajouté sur LinkedIn, c'est que tu lui as répondu puis tu es allé directement en message privé et tu lui as fait un petit message par vidéo. Donc, elle a vu ta face, elle a entendu le ton de ta voix, elle a reconnu comme c'est quoi ta personnalité puis tes valeurs jusqu'à un certain point parce que ça transcende, ça apparaît dans notre image puis dans notre face puis dans la manière que l'on communique. Et donc, ce que ce que j'encourage tous les entrepreneurs avec lesquels je travaille, j'ai travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs, c'est de se mettre de l'avant, c'est de montrer notre visage, de pas avoir peur. Et ça peut être sur notre site web, ça peut être sur les mes réseaux sociaux, ça peut être sur le contenu que l'on voit des photos, que l'on voit des vidéos. Euh, par texte, par texte, c'est bien. Euh, puis on voit beaucoup ça. Là. Il y a vraiment beaucoup de texte qui est sur LinkedIn. Euh, si les textes sont personnalisés, oui. Mais qu'est-ce qui est encore mieux, c'est quand on voit le visage de l'entrepreneur. J'en ai parlé dans une de mes vidéos précédentes. mais je pense que c'est quelque chose qui manque parce que quand on est sur LinkedIn, par exemple, on voit énormément de texte. Il y a vraiment beaucoup de textes. Euh, par contre il n'y a pas beaucoup de photos on ne sait pas trop c'est qui à part la photo de profil et mm -hmm. dès qu'il y a des vidéos on est capable de vraiment reconnaître la personne par contre après ça c'est essayer de pousser l'entrepreneur à faire de la vidéo, euh, ça je suis persuadé as travaillé avec beaucoup de clients c'est pas si simple que ça de, de pousser un entrepreneur essayer de motiver quelqu'un à se montrer par vidéo mm -hmm. et par contre de commencer avec une photo de la personne puis de publier ça puis de voir tous les résultats que ça crée ça peut motiver l'entrepreneur ensuite à dire, bon, ben, on a fait de la photo, je me suis montré un peu plus. Et donc, là, on va essayer d'y aller avec une vidéo. Je pense que c'est le meilleur moyen d'humaniser son brand, c'est vraiment de se montrer et de montrer la face de l'entrepreneur. Pour, euh, pour ajouter un peu à ce que tu dis, ben, d'une part, c'est 50 de mon travail, c'est de mettre les gens à l'aise puis d'apprivoiser, de les aider à apprivoiser ouais. le, le médium. Parce que si je n'arrive pas à faire ça, peu importe à quel point le reste du contenu est bon, on n'ira pas euh, nulle part euh, Mais il y, a un, il y a un aspect que tu dis puis je le trouve important puis euh, moi je, le, je parle beaucoup de, de l'importance des yeux euh, quand on veut, on veut voir le visage la, quand, par exemple les, les photos de profil LinkedIn, à mon avis, on devrait voir les yeux de la personne. De... Okay. Ça n'a pas besoin d'être une photo hyper léchée. Ça n'a pas besoin d'être une photo prise par un professionnel. Moi, ma photo, c'est un selfie avec moi. Mais il y a quelque chose de. <laughs> on veut voir le visage de la personne. On ne veut ouais. pas voir ton logo. On ne veut pas voir. Puis ça... Parce que, on... d'une base purement, simplement humaine, et voire animale, on a, on a besoin de connecter avec les gens pour qu'ils mmh. le sentent. Donc ça passe entre autres par justement effectivement les expressions du visage, les messages qui sont communiqués. Moi j'accueille mes nouveaux contacts effectivement avec des, des messages vidéo. Puis c'est jamais ouais. des pitches de vente. C'est toujours si jamais je peux t'aider ou si je peux te mettre en contact avec des gens de mon réseau, ça va me faire plaisir. J'essaie de, de garder le message le plus court possible, mais au moins d'amorcer justement la relation sur un, un plan profondément humain. Juste avant de continuer, on va saluer les gens qui nous saluent sur sur LinkedIn. Il y en oui. a quelques uns. Euh, Andréanne Coach et Nadine à date, oui. qui sont euh, qui sont à abonnés euh, au podcast. Donc, on, on les salue toutes les deux. Léo Drolet qui dit bonjour à vous deux. Salut Léo. Allô Léo. Euh, Sébastien Pellin, bonjour. Salut Sébastien. Et euh, Andréane qui dit, je vais encore commenter. J'aime beaucoup ta prémisse, Isaël. Cool. Euh, donc, là, c'est tu, tu nous as parlé de l'importance de montrer euh, son visage. Est-ce qu'il y a d'autres conseils par rapport à, à humaniser son, son image de marque euh, à faire? Un autre... Euh... Petit exercice que les entrepreneurs, dans le fond, qui regardent ça en ce moment, que vous pourriez faire, c'est que lorsque vous travaillez votre plan de communication, parce que ça, je pense que c'est la base, c'est comme quand tu veux travailler ton brand ou celui de ton entreprise, tu vas te faire un plan, tu vas te faire un petit plan de match. Euh, souvent, et ce que j'ai vu dans le passé, c'est que les questions que l'on pose euh, dans ce plan de communication, c'est comme qu'est-ce qu'une entreprise elle va faire? ou c'est quoi la mission de ton entreprise? Et tout, et c'est vraiment axé sur l'entreprise. Ce que ce que je proposerais, et ce que j'inviterais à faire, c'est de commencer. C'est de c'est de premièrement de ne pas le faire seul. Donc, c'est de demander de l'aide à quelqu'un d'autre. C'est de le faire à deux et que l'autre personne va te poser des questions et trouver quelqu'un qui écoute vraiment bien. Ça, t'en as parlé dans le podcast avec Benoît Chalifou. Donc, quelqu'un qui va être euh, disponible pour l'autre, qui va être présent pour l'autre et qui va bien écouter. Pendant une à deux heures, cette personne-là va te poser des questions, et pas juste sur ton entreprise, puis qu'est-ce qu'elle veut faire, mais des questions de type comportemental. Donc, des questions plus axées sur le personnel. Et moi, je le fais lorsque je, je crée des plans de communication. Je passe euh, deux à trois heures avec l'autre personne. Je pose des questions sur OK, comme, qu qu'est-ce qu que, qu que ton entreprise va faire? mais comme quel genre de personne que tu es. Et donc, par exemple, ça peut être relativement extrême, mais, tu sais, je demande, euh, tu sais, je demande, euh, comme par exemple, tu es sur ton lit de mort, tu sais, à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu vas regretter? Ça peut être un truc que tu as fait dans le passé ou ça va être un truc que tu vas faire plus tard, mais comme qu'est-ce que tu regretterais à ce moment-là? Et, et je et, pense... Oh oui. Et de quoi, quoi seras-tu fier? Et de quoi tu vas être fier, c'est ça. Mm -hmm. Comme qu'est-ce qui compte pour toi? Ou par mm -hmm. exemple, tu es, c'est comme... Parle-moi de la situation la plus stressante que tu as vécue jusqu'à présent. Euh, Qu'est-ce que tu as fait pour passer au travers? Parce que le but de créer un, un, un bon plan de communication, je pense que c'est vraiment d'apprendre à connaître l'autre. Ce pas juste d'apprendre à connaître l'entreprise, c'est vraiment d'apprendre à connaître l'autre. Et euh, tu l'as vécu, je pense, c'est d'apprendre à connaître l'autre en très peu de temps. Donc, tu comme deux à trois heures pendant que tu travailles avec elle, comme oui, comme tu peux la connaître si tu la connais depuis un petit bout. Mais sinon, tu es avec un client ou tu es avec toi-même. Puis c'est mm -hmm. euh, ça, tu es comme deux à trois heures. Et donc, de comme directement poser des questions personnelles pour apprendre à connaître l'autre ses valeurs, ben, ça va forcer l'autre à se remettre en question. Et s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment, ça serait de ça, serait de commencer à se poser des questions un peu plus grosses et un peu plus existentielles mm -hmm. pour se remettre en question, puis vraiment prendre le temps d'arrêter, puis faire « qu'est-ce que je vais regretter plus tard ?» ou, ou « de quoi est-ce que je vais être fier ?» ou « quel impact que je veux euh, créer avec mon entreprise, mais aussi en mm -hmm. tant que personne ?» et essayer de lier son entreprise et le branding de l'entreprise à l'entrepreneur. Ça, c'est très important pour humaniser son « brand ». Puis je dirais que pour, pour abonder dans le même sens que, que tu dis, j'en ai déjà parlé avant, mais l'importance de poser des questions qui vont amener l'introspection parce que souvent ouais. on a des réponses déjà faites à <laughs> oui. qu'est ce qui est important pour toi? Mais, mais plus on creux, puis, euh, euh, plus on creuse, plus on va, plus on amorce l'introspection, plus on amène la personne en dehors de, de sa zone de, de réflexe, ouais. plus on va avoir des vraies bonnes réponses extrêmement riches. Exactement, parce que sinon, c'est préparé d'avance. C'est comme, c'est quoi tes valeurs C'est comme, je les connais pas mal mes, mes propres valeurs. J'en ai deux, trois. Ok, fin, c'est ça, mm -hmm. ça, ça. Mais si, c'est comme, si il se passe ça, comment est-ce que tu vas comme mm -hmm. réagir face à cette si situation-là euh, Puis je pense que mes expériences en recrutement, parce que je recrute euh, mes propres, euh, mes propres membres, toute mon équipe avec l'ExStart. Euh, dans, dans la communication. Donc, à travers toutes ces entrevues-là, comme que j'ai porté aussi, ça, ça m'a euh, forcé à devoir connaître quelqu'un en très peu de temps. Donc, euh, j'ai comme repris ça, cette expérience-là. Puis maintenant, je l'applique aussi dans les, mm -hmm. dans les plans de communication que je crée maintenant. Mm -hmm. Puis pour rajouter, tu, sais, tu disais, nomme tes deux, trois valeurs. Moi, je dirais à, à quelqu'un, nomme-moi dix valeurs. Parce que en sortir deux, 3 c'est une chose. Puis là, plus ouais. tu y réfléchis, <laughs> Ou euh, qu'est-ce que tu veux créer dans la vie? Alors, je veux créer ça. OK, donne-moi-en, donne donne-moi quatre autres exemples. Fait que là, la personne n'a pas le choix d'aller de, de vraiment euh, creuser. Euh, on va en profiter pour saluer Ladna Pedno qui nous qui écrit simplement H2H, donc humain à humain, évidemment. Euh, salut ouais. Diane Landry, Louella. Euh, salut Louella. Euh, donc, euh, parfait. Fait que là, on a, on a donné quelques conseils. Euh, mais qu'est-ce qu qui, qu qui risque de se passer si, si on l'humanise pas, sa marque? C'est qu -ce quoi les conséquences si on ne prend pas le temps de le faire? Il n'y aura pas de confiance, sur certains. Il n'y aura pas de confiance et je pense que c'est le premier truc que ça va créer c'est de la confiance et encore plus en temps euh, de pandémie. Euh, le confinement, j'ai regardé les stats là, parce que je me, je me suis préparé un peu pour mm -hmm. ce live-là. <laughs> <laughs> je, je, je suis quand même allé chercher un peu les stats et. De matériel, euh, j'ai regardé les stats, et puis comme ça, ça a pris quelques mois avant que le confinement, ça commence, avant que euh, le nombre de d'achats en ligne double. Donc, il y a comme, il y, y a deux fois plus de personnes qui vont en ligne, qui vont sur les sites web, qui vont acheter sur Internet. Euh, je pense que mes stats datent de cet été. fait que Ça aura pas pris beaucoup de temps avant que le monde s'en aille sur Internet et euh, qu'ils ne voient plus des commerces, qu'ils s'en vont plus dans les commerces, qu'ils parlent plus avec les personnes qui travaillent dans ces commerces-là. Mm -hmm. Et ma question aux entrepreneurs qui n'ont pas humanisé leur brand, c'est qu'est-ce qu -ce qui me confirme ou qu'est-ce qui me valide que quand je vais sur ton site web puis qu'il n'y a pas de photo de qui qui travaille là, que c'est pas un chien qui a créé le site web. Ce n'est pas, pas juste un chat qui a créé le site web. C'est comme qu'est-ce qu qui me confirme qu'il y a vraiment du monde? Pis ça me fascine. Je vais sur des sites web, les personnes sont pas de l'avant, il y a l'entrepreneur qui n'est juste pas là. C'est comme fine, mais c'est comme si je vais dans ton commerce, puis il n'y a personne qui est dedans. Il mm n'y -hmm. a personne qui est là pour dire Hé, hey, comme c'est quoi tu as besoin ou « Salut, ça va bien ?» Puis là, il y a comme, une, comme un vrai être humain qui parle. Puis si oui, je vois oui. sur ton site web, puis il n'y a pas de toi, il n'y a pas de visage, il n'y aura pas de confiance. Je pense que c'est encore plus vrai, puis on pourra en reparler aussi avec l'extert, euh, étant donné que c'est un cabinet d'avocat. Je pense encore plus vrai pour les ordres. Donc, lorsque tu fais partie d'un ordre précis, donc un professionnel, je pense encore plus vrai. Et, euh, en ce moment, il y a des, il y a des médecins qui travaillent à distance, donc c'est par téléphone maintenant. Il mm -hmm. euh, y a ma physiothérapeute, ok, c'était pas à distance, euh, mais il a quand même fallu que j'aille voir son site web. Et pourquoi j'ai comme mm -hmm. pris le choix de la prendre, elle, c'est parce que j'ai comme lu toute son histoire depuis 2010, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai vu des photos d'elle, j'ai eu l'impression de la connaître. Mm -hmm. Et je suis tombé mm -hmm. sur plein d'autres sites web de physiothérapeutes ou d'autres professionnels qu'il n'y avait pas ça. C'est juste mm -hmm. genre, moi je suis physio, mais c'est comme fine, mais. Mais c'est pas comme ça que ça marche. comme il faut les, la, la confiance. La majorité des sites finissent par se ressembler. Tu m'ouvres une très belle porte pour plugger mes services parce que c'est exactement ça que je fais. Euh, mon principal service, c'est de faire des portraits vidéo d'entrepreneurs ouais. qui servent principalement à accueillir les visiteurs sur le site Web. Et justement, comme tu l'as mentionné, en une minute, une minute et demie, deux minutes, présenter qui on est, avec qui on aime travailler et pourquoi, qu'est-ce qu'on a envie de créer, qu'est-ce qu'on a envie de faire comme différence dans la vie de ces gens-là. Donc, Justement, parce que la majorité, si tu prends, je ne sais pas, moi, tu te magasines un, un comptable, la plupart des sites web de comptables sont assez gris. Ouais, Mais si tu as ouais. un comptable avec une personnalité chaleureuse, ça vaut la peine de le mettre de l'avant. Ouais. Euh, c'est effectivement crucial. Puis tu, tu l'as bien nommé, dans le fond, le risque, c'est de ne pas connecter le risque, c'est de ne pas donner confiance c'est de ne pas amorcer la, la relation avec quelqu'un qui aurait pu être un bon client. Ouais. Potentiel, un bon client idéal. On a une question qui vient de Benoît Normandin. Je vais l'afficher à l'écran. Donc, est-ce que la mission devrait être articulée en huit mots ou moins? What do you do? Who do you serve? How will the world be better after? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Euh, ben, la question ou, ou la contre-question que j'ai pour lui, c'est que ça serait pour mettre où? Euh, parce que ça, c'est un truc que l'on se pose aussi avec l'Exart, euh, mais la communication sera pas pareille selon la plateforme où est-ce qu'on va faire cette communication-là. Fait que si on la fait sur notre page Facebook, elle sera pas pareille que si on communique sur notre site Web. Peut-être qu'on a un peu plus de temps sur notre site Web que sur une page. Donc, le huit mots, euh, ça dépend où. Il y a des fois où ce que nous, on le communique en quatre mots, d'autres fois en huit mots. Euh, fait que ça, c'est pour le truc de huit mots, au moins. Euh, avec LinkedIn, je pense que sur le titre, puis tu pourrais me le confirmer, mais je pense qu'on peut y aller jusqu'à 5 à 6 mots après ça. Je pense que ça disparaît selon où est-ce que ton nom de LinkedIn va apparaître sur la plateforme. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai essayé de condenser ça en très peu de mots. Qu'est-ce qui est en parenthèse? Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu fais ou comment tu le fais? Euh, puis pour qui tu le fais? Fait que mm -hmm. je pense qu'en 8 mots, tu es quand même capable de répondre à ça. Par contre si es capable de adapter ça pour ton site web et pour toutes les autres plateformes parce que, comme que j'ai expliqué dans une autre de mes vidéos, le contexte n'est pas pareil pour 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 chaque plateforme et donc j'encouragerais à remettre ça en question à chaque fois comme que tu es sur une plateforme, tu comme comment est-ce que le monde se comporte là-dessus, comment est-ce que je comme, que je peux communiquer, qu'est-ce que je fais le mieux possible. En, en se basant sur le contexte, quoi. Mmh, mmh. Euh, puis effectivement, c'est crucial, les, les premiers mots qui. Moi, je dis souvent aux gens mettre enlever le, le fondateur de ma vice-président directeur. <laughs> c'est n'est pas ça qui intéresse les gens. Ce qui intéresse ah, les gens, c'est le, le what's in it for, for them et, et ils veulent, ils veulent savoir qu'est-ce qui t'allume, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te branche. Il euh, y a une question aussi de, de Nadine. Euh, est-ce que des fois se montrer le visage peut être négatif Par exemple, quelqu'un qui ne t'aime pas la face avec toi-même, <laughs> si tu es le meilleur de ton domaine. Je vais commencer, je vais répondre en premier. Si, si, ouais, si je si que tu okay réponds, toi, Isabel, ouais, ouais, que ça. Moi, je pense que c'est un positif. C'est-à-dire que moi, premièrement, ça, ne se peut pas que ce soit négatif de se montrer le visage. Puis tout ce qui filtre, tout ce qui filtre, qui va faire en sorte que des clients qui vont pas. Moi, je dis souvent que ma job, c'est d'aider les gens à faire un, un choix éclairé. Si n'es pas le bon fournisseur pour eux tant mieux qu'ils qu le, qu le comprennent après une vidéo de 60-90 secondes, parce que ça va leur éviter de prendre un rendez-vous, de te rencontrer, de réaliser, ah, c'est pas la bonne personne pour moi. Donc, tout ce qui aide à filtrer ou à qualifier, si on veut, des clients potentiels, que ce soit parce que ça les amène vers toi ou que ce soit parce que ça amène des clients indésirables, entre guillemets, ou qui sont pas un bon fit pour toi ailleurs, ben, encore une fois, tant mieux. Qu'est-ce que tu en penses, Isabelle? Euh, je pense pareil que toi, pour en revenir à, à sa question, s'il y a quelqu'un qui t'aime pas la face. <rire> <rire> euh, ben, euh, si tu souris, il euh, y a moins de chances qu'il qui, y a moins de chances qu'il t'aime pas, qui pas la face. Sourire, montrer les dents, euh, ouvrir tes yeux, je pense que c'est des bons points. Souvent, euh, parce qu'il y a une, tu as mes amis qui m'ont contacté pour me demander des conseils pour un Facebook live qu'ils vont faire. Puis elle était comme, tu sais, c'est comment que ça se passe quand tu fais un live et tout. Fait que là, je lui ai donné plein de conseils et tout. J'étais comme, quand que ça commence, souris. Parce que le nombre de personnes qui font des Facebook live ou d'autres lives, puis qui commencent comme ça. OK. Um, <laughs> fait qu'on qu est connecté. Puis là, c'est comme vraiment bête. Hein, c'est comme, je pense que si t'as un smile, puis si tu ouvres tes yeux, puis si t'es comme, allô tout le monde, en partant, euh, puis tu souris, je pense... Je pense qu'il n'y a pas tant de chances qu'il ne t'aime pas la face à part. Puis, ça, c'est pour sa question. Puis, je répondrai le même truc que tu as dit pour le reste de la question. C'est après ça lorsque tu parles, puis que tu expliques ce que tu fais, je pense qu'en très peu de temps, il va comprendre au moins est-ce que c'est -ce est la bonne personne pour moi ou mm -hmm. ses services, c'est pour moi ou non. Et en tant que personne, mm -hmm. euh, euh, ben, tu sais, si tu n'es pas fake, puis tu n'es pas genre très condescendant, mm -hmm. puis tout, je pense. Je je pense que ça devrait aller. Si tu humble, il me semble que le monde t'apprécie, mais bon, ça c'est mon opinion. Puis on n'a pas besoin de plaire à tout le monde non plus. Si quelqu'un ne t'aime pas la ouais. face, pour quelque raison que ce soit, ben tant pis ou tant mieux. Y a... Ouais. <laughs> tu, peux pas faire ce que tu... Même, tu peux pas faire grand chose parce que ça appartient ouais. à l'autre. Et je suis persuadé qu'il y a des personnes qui ne m'aiment pas juste parce qu'ils ne m'aiment pas la face. Euh, perço... ben, Excuse-moi, je, suis... je suis persuadé que c'est la même chose pour toi, Mathieu. Ah oui, a... c'est ça. <laughs> <C 'est> ça. <laughs> euh, puis ils doivent confondre des trucs par rapport à leurs expériences, ils doivent confondre ma confiance avec autre chose, ou je ne sais pas. Mais euh, donc, si tu n'aimes pas la face, écoute, euh, ça arrive. Ben moi, de toute façon, je veux connecter avec des clients, pas juste, pas juste des clients, mais des collaborateurs, des, des, des fournisseurs, des partenaires. Qui ont un peu la même optique, pour qui ouais. l'empathie est importante, pour qui c'est important d'amener de la valeur dans la vie des gens. Pour qui... Donc, qui ont, qui ont, en, en, on, on le disait tantôt, mais connaître ses valeurs, ça aide à s'entourer de gens qui correspondent à ça aussi. Puis tant mm -hmm. mieux s'il y a un fit, on va travailler mieux, on va rendre plus de service à nos clients ensemble. On augmente le potentiel d'être satisfait aussi des travails de, de, de chacun, que si on, on s'entoure de gens qui... Nous aiment pas ou avec ou à qui on a fait un effort pour plaire, mais que finalement, bon, c'est ne c'est pas mais... ouais. hum. euh, Lana, je vais m montrer son, son commentaire. Des phrases courtes et des verbes d'action parler à mon personnage pour qu'il se sente interpellé et privilégié. Le je et le nous versus le on. Qu'est-ce que tu en penses, Israël? Euh, le je et le nous euh, versus le on, euh, je trouve. Je, je, je trouve que pour qu'ils se sentent interpellés, privilégié, le jeu et le versus le on. Ben en fait, euh, le je »,« nous et on, je trouve que ça ressemble plus que comme que il ou que ma compagnie fait ça. Euh, mm. Je pense que c'est mieux de dire on ou nous ou si c'est de toi, que tu parles, tu vas dire je que la compagnie euh, ou d'utiliser le nom de la compagnie. Euh, nous, euh, avec l'exert on parle beaucoup au on ou nous, euh, puis moins au je » parce que ça représente... Le groupe. Euh, okay. Donc, euh, je ne sais pas si je réponds bien, mais, euh, mais j'irai avec le je puis le nous puis le on, ça tente. Euh, mais mais tu n'as pas le il ou la compagnie fait ça. C'est comme, mm -hmm. non, tu es quand même lié à ta compagnie. Mm -hmm. C'est qu'on veut que ce soit inclusif. Ouais. Euh, tu le disais, c'est euh, un des conseils que, que tu m'avais indiqué c'est qu'avec les réseaux sociaux, c'est plus facile que jamais d'être authentique, d'être humain. Puis je trouve que c'est un peu dans, aussi dans, dans le grand thème qu'on parle en ce moment, c'est d'être soi-même pour attirer des gens qui vont être compatibles avec nous. C'est quoi les... Tu en as parlé un peu, mais s'il y a d'autres trucs qu'on n'a pas abordés là-dessus, c'est quoi les bonnes pratiques sur les, les réseaux sociaux, pas juste dans la création de contenu, mais aussi dans l'interaction avec les gens, dans notre... Euh, dans, parce qu'on dit souvent les réseaux sociaux c'est gratuit, mais c'est pas vrai, ça, ça bouffe du temps, donc il vaut mieux ouais. que ce temps-là soit bien. Le temps est une ressource, il faut qu'il soit bien investi. Fait que, donc, comment utiliser, quoi faire sur les réseaux sociaux? Euh, quoi faire sur les réseaux sociaux pour être authentique? Euh, ben, premièrement, se connaître, ça commence bien. Fait que se connaître so soi-même. Euh, Puis là, ça, ça, ça fait un lien avec le travail de rétrospection que tu as parlé mm -hmm. tantôt. Donc, se poser les bonnes questions. Ensuite, euh, je dirais. Laisse-moi reformuler ma question. Okay. Je pense ouais. que je, je veux aller dans quelque chose d'un peu plus détaillé. Est-ce que toi, tu as une routine ou est-ce que tu as une routine à conseiller aux gens qu'est-ce que vous devriez faire à tous les jours ou une fois par semaine sur, euh, sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux en général? Euh, moi, euh, ma routine, euh, je, je crée à chaque deux semaines. Donc, je suis en production à chaque deux. Fin de semaine, donc je crée deux vidéos à la fois. Donc, mm -hmm. si vous me voyez avec des vêtements qui changent, c'est parce que je me suis changé de vêtements. Mais je fais la production euh, sur le spot et euh, je fais euh, la post-production la fin de semaine qui suit. Donc, dans le fond, je crée puis je filme puis ensuite euh, je crée les vidéos la fin de semaine qui suit. À chaque jour, je passe entre 30 à 45 minutes sur la plateforme puis je vais commenter, je vais liker, je vais répondre à d'autres commentaires. Um, un autre truc aussi que je voulais dire puis je vais rebondir sur mm -hmm. ta question c'est qu'on parle beaucoup de LinkedIn on parle beaucoup de LinkedIn, euh, puis ça c'est bien um, puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont authentiques là-dessus tu sais, il y a quand même beaucoup de textes que ça commence comme ça c'est les expériences que j'ai vécues puis ça c'est les apprentissages, tu sais, on voit énormément de textes là-dessus, ça fait 300 mots c'est bien beau, uh, mais il suffit de quitter cette plateforme-là pour se rendre compte que sur les autres médias sociaux c'est pas si le cas sur Instagram, il y a énormément de filtres. Euh, c'est très simple de pas être authentique. Euh, OK, tu peux être authentique avec beaucoup de filtres, mais quand même, il faut que ce soit beau. Ça te pousse à, à, à changer un peu. Même mes photos, euh, tu sais, euh, mes propres photos, le ciel est relativement beaucoup trop bleu pour qu'est-ce que c'est. Le ciel n'est pas bleu comme ça. Là. Mais et quand on va sur Facebook, c'est très facile de pas être authentique aussi. Et donc, le, le premier truc que je dirais, c'est de mettre ses faiblesses tout de, à de l'avant. Donc, d'être de, de, capable de reconnaître que tu pas parfait. Ça, ce serait le premier truc. Je pense que les influenceurs et les personnes souvent qui sont qui, qui paraissent dans un monde idéal le poussent de plus en plus et disent non, moi je ne suis pas parfait, je vis ça, je vis mmh. cette tristesse-là, c'est fine. Mais tout ce qui est en lien avec nos propres faiblesses, moi je le mettrais de l'avant, je dirais, je comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Euh, Peut-être pas dire comme que tu es en tristesse et tout, mais c'est de dire euh, ça va pas si bien que ça, il se passe ça, je comprends pas ça. Puis avec mon projet, si c'est pas un show de cuisine, je l'ai beaucoup fait, j'ai fait, je comprends pas le gap entre le système scolaire et le marché mm -hmm. du travail. Il y a un trop gros gap, mm -hmm. il y a plein de jeunes à chaque année qui se crachent directement sur le marché du travail, ça fonctionne pas. Même moi, je ne sais pas où est-ce que je m'en vais, euh, où c'est qu'on s'en va là-dedans. Et lorsqu'on est capable de reconnaître cette faiblesse-là, ce qui va se passer, c'est que l'autre personne qui va te lire ne se sentira plus seule. Et c'est le premier truc qui va arriver. Mmh. On le voit chez les artistes, chez les grands artistes. Leurs fans vont dire c'est cette personne là qui a fait en sorte que je me sente plus seule. J'étais plus seule dans ce monde à penser comme mmh. ça parce que notre société est comme, ok, on sait tout quoi faire. Personne ne sait vraiment quoi faire. Fait quand que je l'ai dit pour la première fois, ça a fait en sorte qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui se sont tournées vers moi et qui ont dit, ok. Je suis pas le seul à pas savoir quoi faire quand j'arrive mm -hmm. sur le marché du travail. Et donc, si vous êtes capable aussi de dire en tant que personne, écoutez, je comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Je, 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 je suis perdu. Euh, Est-ce que je suis seul C'est sûr, sûr et certain qu'il va y avoir des personnes en commentaire qui vont dire. Non, tu n'es pas de seul. Ça fait du bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qui l'a dit, qui a une voix peut-être plus forte que la mienne. quoi. C'est crucial parce que, ben, tu vois, moi, ça va faire cinq ans dans moins d'un mois que je vlog. Et euh, mes, souvent, mes billets qui, euh, qui, ont, qui, ont le créé, qui ont généré le plus d'engagement, c'est les billets où j'ai été le plus personnel, puis où j'ai parlé de mes challenges. Moi, je, à la base, je sais que <laughs> j'ai fait du chemin depuis, mais j'étais vraiment une introvertie extrêmement timide. J'étais terrorisé à l'idée de réseauter, à l'idée de me mettre de l'avant. Quand j'ai commencé le vlog, par exemple, il y a cinq ans, ça me terrorisait l'idée d'être devant la caméra. Euh, et j'en ai parlé de ça à, à plusieurs reprises, les, les frustrations aussi de développer une entreprise. Une entreprise, c'est toujours, il y a toujours, toujours, toujours des... Des obstacles qui se dressent sur ta route. C'est jamais un long fleuve tranquille. Puis heureusement, ouais. d'ailleurs, parce que ça aide à, à grandir et à cheminer. Puis effectivement, c'est important de créer cette. cette... En fait, c'est ce qui approfondit le rapport et la, et la familiarité et la relation avec, avec mm -hmm. les gens. C'est que, effectivement, c'est des points de, de, de commun. Puis quand on est trop dans la mise en scène, à un moment donné, on décroche. Mm -hmm. Puis Dieu sait qu'il y en a beaucoup des gens qui, en, qui, qui sont beaucoup dans la mise en scène. Autant, tu parlais de Facebook et Instagram. C'est vrai que c'est des, des plateformes où ça se prête beaucoup, mais LinkedIn aussi, il y en a beaucoup des metteurs en scène, il y a beaucoup des, des gourous. Ça sera une émission, une émission intéressante à faire, mais il y a beaucoup de gens ouais. qui, qui ont la vérité ou qui ont le. le, le quand la pandémie est arrivée, j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus parce que justement, j'avais parlé à quel point ça, ça venait me chercher des gens qui, qui embarquaient sur le C'est une opportunité de faire <laughs> des affaires autrement, puis de faire de l'argent. Hey, on ne sait pas encore combien il de gens qui vont sais, Il y a ça un moment, on avait des zones d'inconnu, je trouvais ça tellement. J'ai pris un break de réseaux sociaux quand j'ai vu ça, parce que j'ai fait Ah mon Dieu, c'est-tu vraiment là où on est? Euh, mmh. Bref, le, ah cet aspect-là, mmh. cet aspect-là humain est intéressant. Et euh, ça m'amène à, à un commentaire que, que, que tu m'avais écrit euh, quand, quand je t'ai demandé les conseils que tu donnerais à des entrepreneurs. Tu as écrit Arrête de croire que ta vie n'est pas intéressante. Je crois fondamentalement que ben, toute histoire mérite d'être racontée. Et il ouais. y a beaucoup de gens qui doivent avoir cette espèce de ah de quoi je peux parler sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, je n'ai pas tant de contenu ou de valeur ou quoi que ce soit, mais je trouve que ça va dans l'élan de ce dont on parle là. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus sur le fait que. En fait, c'est par rapport au contenu, puis de comme, OK, mais moi, ma vie, je n'ai pas fait grand-chose, puis de quoi est-ce que je pourrais parler, puis quelle histoire est-ce que je pourrais raconter. On va voir ça de un, oui, quand on va créer du contenu. Euh, on va voir ça aussi quand cette personne-là va passer des entrevues pour essayer de trouver une job. Souvent, elle va répondre les mêmes trucs. Elle va dire ouais, mais qu'est-ce que je vais leur répondre quand ils vont me demander qu'est-ce que j'ai fait dans le passé fait que Je pense mmh. que c'est un peu le même processus psychologique qui se passe que quand tu cherches une job, tu passes une entrevue, puis il faut que tu te vendes, à quand tu vas créer du contenu. Puis j'ai travaillé avec beaucoup de personnes. Je suis sûr que tu as travaillé avec beaucoup de personnes aussi. Toutes les vies sont, sont intéressantes. Et le but en ce moment, en 2021 plus que jamais, c'est de faire en sorte de raconter qu'est-ce qui s'est passé avec toi, puis ton histoire, puis qu'est-ce que tu as appris, pour être sûr que d'autres personnes ne répètent pas ces mêmes euh, ces mêmes erreurs-là ou mmh. ces mêmes expériences-là. Fait que le but en tant que société, c'est de faire en sorte de partager nos connaissances. Et il suffit de gratter un tout petit peu. Là. Il, il, il suffit juste de poser quelques questions pour faire en sorte... Que l'autre a commencé à te raconter qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Et il y a beaucoup de matériel, il y a, il y a, il y a beaucoup de contenu. Et souvent, c'est la, la perception de l'autre qui est comme, oh non, moi, ma vie, elle n'est pas intéressante. Mais, mais, mais ouais, ben ça, c'est un problème, I guess, de, de confiance en soi, là. Fait qu'il y a peut-être un problème psychologique. Mais, euh, en tant que, en tant que professionnel de communication, c'est d'essayer de, eh, à gratter un peu plus et de, et de faire comprendre à l'autre que oui, tu as accompli beaucoup. Et qu'est-ce que tu crois qui n'est pas vraiment important? Non, c'est important. Tu as aidé beaucoup mm -hmm. de personnes, tu as passé à travers ces situations-là. Et à partir de ça, c'est un autre exercice que les entrepreneurs qui nous regardent pourraient faire. C'est que quand tu es avec l'autre personne, parce que tu sais trouver une autre personne pour faire ton plan de communication, aussi, prends cette opportunité-là pour que cette personne-là te pose des questions sur ta propre vie. Puis là, que cette mm -hmm. personne-là, dans le fond, prend des notes sur quest ce que tu vas dire. Fait que par exemple, okay, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie depuis que tu es jeune, comme quelle expérience que tu as vécue. Au fur et à mesure, l'autre personne va pouvoir dire pourquoi, pourquoi ça s'est passé comme mm -hmm. ça, comment ça s'est passé. Puis au fur et à mesure, tu vas avoir beaucoup de notes sur toute ta vie. Puis si tu as 25 ans ou plus, ou même à 20 ans ou même à 15 ans, tu as vécu beaucoup de choses qui méritent d'être partagées. Puis c'est pour ça qu'il y a des TED Talks où est-ce qu'il y a des jeunes de 15 ans qui viennent partager quest ce qu'ils ont vécu. Ce n'est pas pour rien, c'est que... Il y a des vies qui sont intéressantes, et je pense que toutes les vies sont, sont intéressantes. Donc, si tu regardes ça, ta vie n'est pas plate. Tu as vécu mmh. beaucoup de choses, puis essaie de la partager. Mmh. Mais ça, souvent, c'est un travail à faire à deux, à quelqu'un d'autre qui va te challenger, mais ça, c'est une autre question. Tu touches à vraiment un point important. Puis quand j'ai conçu Partir en affaires, d'abord pour ma TV, donc en 2018, le show... Euh a été diffusé à ma TV. Oui, Et oui. Un, des, un des éléments, ah, merci. Un des oui. éléments importants euh, derrière euh, la conception du show, pour moi, c'était on apprend beaucoup du parcours des gens. Euh, puis autant dans les succès, probablement plus en fait dans les échecs que dans les succès, ou du moins dans les erreurs, les, les, les obstacles. Comment l'entrepreneur a surmonté? Qu'est-ce qu'il en a appris? Quelles sont les leçons qu'il en a tirées? Et c'est pour ça que toutes les histoires valent la peine d'être racontées. Tout. Ouais. Si, si on était dans, dans un univers où les histoires ne valaient pas la peine d'être racontées, même les plus en, en apparence banales ou même les moins mouvementées, ben l'empathie n'existerait pas. Le, on a besoin de, 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 de développer ça ensemble, on a besoin ouais. de, de grandir ensemble. Et euh, pour moi, le, 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 la base là-dessus, c'est qu'une société entrepreneuriale est une société en santé et c'est en racontant les histoires des entrepreneurs qu'on va donner le goût. À des gens de se lancer en affaires, qu'on va encourager des entrepreneurs en démarrage à persévérer et qu'on va aider des entrepreneurs, même d'expérience, à surmonter des obstacles qu'ils voient qu ouais. pour la première fois. Puis euh, ça, c'est très bien dit. Puis on, on l'a fait vraiment beaucoup avec l'Exart. Il <laughs> euh, y a Gilles, dans le fond, Gilles de Saint-Exupéry, qui a cofondé ce cabinet d'avocats-là qui aide les entrepreneurs qui partent leur propre entreprise. Et on a quand même, lorsque Lorsque je suis arrivé dans la compagnie il y a environ trois à quatre ans, on a vraiment misé sur le, le storytelling de Gilles de Saint-Exupéry et de comment est-ce qu'il est arrivé à la conclusion que les entrepreneurs devaient être accompagnés beaucoup plus et d'une autre manière pour créer leur entreprise et de, euh, vraiment pour s'occuper de tous leurs aspects juridique de l'entreprise. Donc, on a vraiment axé ça sur Gilles de Saint-Exupéry, qui est le co-fondateur. Mmh. Et, euh, et là, c'est ça. Fait qu'on a vraiment misé ça là-dessus. Et sur le fait que, oui, de, de créer une entreprise, c'est pas simple. Mmh. Euh, c'est difficile. Il y a beaucoup de stress. Il y a de l'anxiété. Et donc, on s'est servi beaucoup de lui quand on a commencé. Maintenant, on est rendu à une autre étape pour le branding. Enfin, qu'on va essayer de travailler ça autrement. Euh, et donc, c'est ça, ça. Ça serait ma réponse à ce mm -hmm. que tu as dit. Euh, on va s'en tranquillement vers la fin. Déjà, mon dieu, déjà 40. Ça Moi, passe je parlerai, vite. Ouais. Je, je parlerai une autre heure, mais, <laughs> mais j'ai ouais, des commentaires. J'ai encore des questions sur, sur LinkedIn. fait qu'on va, on va les, les aborder. D'abord, il y a Denis Foucault qui écrit. Est est-ce que les messages de storytelling <laughs> rejoignent tout le monde euh, J'aimerais ça t'entendre là-dessus en premier. C'est sûr que j'ai de quoi dire là-dessus. <laughs> est-ce que les, est-ce que storytelling rejoigne tout le monde à... Ben, c'est euh, peut-être ben, peut pas euh, tout le monde. Euh, jusqu tout dépendamment de ton storytelling, est à quel niveau Est-ce que c'est vraiment axé sur la cause puis le pourquoi Ou est-ce que c'est vraiment axé sur, sur le quoi Par exemple, avec Gilles, on a vraiment axé euh, le storytelling sur les entrepreneurs qui partent leur entreprise. Donc, il y avait vraiment. Storytelling qui était axé sur à quel point c'est tough d'incorporer, de, de faire sa mère de commerce et tout, puis on essayait de faire un storytelling autour de ça. Non, ça rejoindra pas tout le monde. <laughs> c'est pas tout le monde qui est un entrepreneur qui a besoin d'une incorporation. Euh, par contre, si notre storytelling avec juste était sur les valeurs, c'est sur la cause, c'était sur le monde qui, qui est comme juste pas correct, que le statu quo en termes d'aide juridique pour les entrepreneurs, ça devrait pas être comme ça. Et on parle de valeurs, on parle de statu quo, on parle de comment est-ce que le monde devrait euh, changer pour le mieux. Peut-être que ça va rejoindre plus de personnes. Mais ça, ça dépend à, à quel niveau. Là, quand on parle du pourquoi, du comment, puis du quoi, c'est axé sur le quoi, ça ça peut-être pas pour tout le monde. C'est axé sur les valeurs, puis le statu quo. Euh, J'ai d'autres noms de compagnie, mais on n'a pas beaucoup de temps. Qui pourrait euh, représenter le pourquoi, ça devrait rejoindre pas mal beaucoup de personnes ensemble. Euh, toi, Mathieu, qu'est-ce que tu en mmh, penses? Ben, moi, je vais, je vais prendre ça dans son dans son angle le plus philosophique. Le storytelling a le potentiel de rejoindre tout être humain, mais chaque histoire va rejoindre des gens spécifiquement. Puis un peu comme ouais. on, on parlait un peu plus tôt, tant mieux si nos, nos histoires ne rejoignent pas tout le monde. On veut qu'elles rejoignent les gens à qui ça parle. On veut qu'elles rejoignent, par exemple, nos clientèles idéales et non pas se retrouver avec tous les tout le monde qui veut faire affaire avec nous. Euh, on a besoin de, encore une fois, de filtrer et de, de, de pas de valider, mais de, 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 de qualifier nos clients. Ouais. Et tant mieux, donc, si notre storytelling ne rejoint pas tout le monde. Puis on le voit de toute façon, tu sais, La guerre des étoiles a rejoint beaucoup de monde, mais il y a bien du monde qui n'aime pas Pantoute ce film-là. Puis pourtant, c'est une. Tu la structure de storytelling là-dedans, elle est quasi parfaite. Mm -hmm. euh, je parle je, je, re, je retourne toujours à Star Wars et à la, la Matrice parce que c'est exactement la même structure. Tu si enlèves les, les noms des personnages, le, le, tu regardes juste le squelette, c'est la même mm -hmm. histoire. Ouais. Et, euh, et donc, non, le storytelling ne rejoint pas tout le monde, mais il a le potentiel de rejoindre tout être humain. Euh, une autre question de Benoît Normandin, quel pourcentage de contenu authentique, your story versus du evergreen content quotes inspiration? Je vais commencer par répondre, puis après ça, j'aurais qu'un ouais. entendre là-dessus. Euh, pour moi, ça veut être du contenu authentique et du contenu qui est de notre histoire n'est pas nécessairement pas evergreen. Euh, les deux ne sont pas incompatibles. Euh, et, et, et ce qui manque, en fait, pour moi, c'est le pourcentage. Ça me fait penser à cette question-là. Tantôt, on parlait de raconter notre histoire, tout ça. Faut il faut qu'il y ait un équilibre entre parce que faut qu il faut qu'il y ait un équilibre entre du contenu qui est orienté, euh, apporter de la valeur aux gens qui on s'adresse. Si on fait juste parler de nous, à un moment donné, on, on, on est dans, un, dans, un, dans une avenue qui, est, qui, qui risque d'être narcissique. Fait ouais. faut qu il faut qu'il y ait un faut qu'il un, un je sais pas c'est quoi le pourcentage mais faut il faut qu'il y ait un équilibre entre moi euh, et toi moi et ma communauté euh, ouais. mais qu'est-ce que tu qu que en penses toi de, de cet aspect-là ah euh, ben le pourcentage euh, je 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 saurais pas comment dire euh, j'ai fait une vidéo euh, la semaine passée qui était comment créer son calendrier de posts puis là dans le fond la première euh, tu sais le premier step à prendre c'est de se dire de quoi est-ce que je peux parler donc, là-dedans, il, il y a le storytelling de moi, il y a le storytelling de mes clients. Euh, tu sais, il y a quand même plusieurs trucs comme que tu peux parler puis mettre de l'avant. Euh, donc, là-dedans, tu sais, le storytelling, si, 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 si par exemple as cinq thèmes que tu peux mettre de l'avant, puis te parler, puis créer du contenu. ben après ça, le storytelling, peut-être que c'est comme un, tu sais, c'est 20%, quoi. Puis après ça, tu vas essayer de partager ça pendant tout le long de ton mois, là, dans lequel tu vas, comme, créer du contenu. Moi, moi, personnellement, là, si, si je peux vous dire ça, là, euh, je crée une vidéo par semaine euh, que c'est vraiment des conseils. C'est vraiment comme straight to the point. Euh, il y a un des commentaires euh, hier qui était « il n'y a comme pas de temps mort ». Non, je parle, puis c'est deux à trois minutes de long. Puis je donne des conseils, je ne parle pas de moi. Mais j'ai créé, euh, tu sais, dans les deux derniers mois, peut-être comme deux ou trois posts que c'était vraiment sur moi, sur pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi, puis... Pourquoi je fais ça, puis en quoi est-ce que je crois mes valeurs? Donc, c'est peut-être un, un poste par mois un, ou deux postes par mois, mais c'est quand même difficile de comme expliquer le pourcentage. Et il faudrait qu'on s'en parle, quoi. <laughs> Moi, je, ben, je pense que c'est une question d'intuition aussi, beaucoup. Moi, je pense qu'il faut s'écouter là-dedans, puis être dans, dans l'équilibre. c'est pas grave si le pourcentage est, Il va varier d'un mois à l'autre. Il ouais. va être. Euh, peut-être que tu es dans une phase plus difficile ou émotionnel, puis tu veux, as envie de parler de ça, puis c'est correct, puis deux mois plus tard, tu es, es dans autre chose. Moi, je pense qu'il faut juste s'écouter là-dedans, puis suivre son, son intuition beaucoup, et écouter, évidemment, sa communauté. Ouais. Écouter, moi, moi, je dirais même encourager les gens à poser des questions. Moi, je, je, demande, je demande beaucoup, puis je vous le demande aussi. Si vous avez des sujets, de, de, des idées de sujets à aborder dans le podcast, des idées, de, des suggestions d'invités, faites-les moi. Euh, ouais. Ça va alimenter, c'est votre show. C'est le show qui, qui s'adresse à vous, qui veut vous donner de la, de la valeur. Donc, plus les gens participent, évidemment, plus, plus le show va être euh, pile poil sur... sur euh, Pour la sur mesure. Voilà, oui, est exact. <laughs> euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé encore par rapport à l'image de marque, à l'importance d'humaniser son, son branding, qu'on devrait réellement aborder avant de terminer? Euh, vite comme ça, euh, si je peux euh, dire un dernier point, ouais, un, un mmh, dernier point ouais. rapide. Prends ton temps. Ok, parfait. Okay. Euh, ouais. C'est ça, euh, parce qu'il y a 47, mais euh, <laughs> en gros, il y a comme cette croyance-là ou ce mythe-là euh, que, que, tout, que toutes les personnes sont remplaçables. T'sais, on dit souvent ça dans les entreprises, ben, souvent ça, comme on, on, on entend cette phrase-là il y a tout le monde mmh. qui est remplaçable parce que leurs skills peuvent être remplacés. Um, plus que je grandis, plus que je vis des expériences, plus que je réalise que c'est pas le cas. Euh, c'est pas tout le monde qui est remplaçable parce que oui, les skills de ton employé est remplaçable, mais la personnalité ne l'est pas. Et euh, tous les entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment, qui ont une équipe euh, qui travaille avec leurs propres employés, si vous avez un bon fit chez ces employés là en, en termes de skills, que oui peut être remplaçable, mais la personnalité fait aussi. Mettez-les de l'avant, comme U utiliser les. Et je vois, je, je vois ça dans mes formations. Il y, a, il y a beaucoup de personnes qui lèvent leur main et qui me disent, Hey, comment ça se passe pour les campagnes avec des influenceurs? C'est comme, tant que tu n'as pas, premièrement, utilisé ta propre équipe en tant qu'ambassadeur de ta marque, tu ne vas pas travailler avec d'autres influenceurs. Commence mm -hmm. avec ton équipe. Et oui, si as un bon fit en termes de schisme et de personnalité qui représente bien les valeurs de l'entreprise, puis ça, ça sent là. es comme là avec les autres, puis souvent ils travaillent plus fort, puis ils, ils croient vraiment mmh. en le pourquoi. Ben mettez-les de l'avant. Et donc prenez des photos, essayez de documenter, essayez de créer mmh. des vidéos sur eux autres. Et euh, parce que c'est une opportunité. C'est pas tout le monde qui est un bon fit au niveau personnel, mais si ça fonctionne aussi, mettez-les de l'avant. Puis utilisez-les, quoi, puis créez oui. du bon contenu. Et je suis sûr que ça va mieux fonctionner. C'est sûr, c'est pratiquement sûr que ce contenu-là va mieux fonctionner que juste un texte. Dès que vous voyez du monde, dès qu'on voit les faces du monde, il y a leurs amis qui vont voir ça, qui vont liker directement. Ou même vos propres employés vont sûrement partager. Puis c'est du contenu facile, ben, peut-être pas en temps de confinement, là, mais bon, il suffit d'être un peu créatif, euh, puis t'es es capable de créer du contenu avec ta propre équipe. Mais bon, fait que ça, ça serait le dernier truc que j'aurais à dire, c'est que c'est pas tout le monde qui est remplaçable. Puis si dans votre équipe le monde n'est pas remplaçable, mettez-le de l'avant. Euh, puis après ça, ben si ils veulent pas. Euh ben, j'aurais des arguments, là, mais euh, toi aussi souvent, monsieur, mais ça, ça va être pour une autre fois. Yes. C'est vraiment crucial ce que tu dis. Les premiers ambassadeurs, les premiers apôtres de la marque, ça devrait être nos employés. Et non seulement, tu sais, on a tout à gagner à le faire parce que ça va les fidéliser eux-mêmes. Ça va aussi envoyer l'image qu'on prend en soin de nos employés, que nos employés font partie de la famille. Euh, honnêtement, c'est un point extrêmement pertinent. Oui, on s'enligne, on ne s'enligne pas. On est dans l'épisode le plus long je, depuis depuis le début. Mais il n'y a, per... a pas eu une minute de perdu ou de contenu vide avec toi, Isaël. Je t'en remercie. Écoute, Merci. les gens qui veulent te, te rejoindre, qui veulent connecter avec toi, c'est quoi la meilleure façon de. Euh, par LinkedIn. Vous avez juste à m'écrire sur LinkedIn, euh, puis je vais vous répondre. Euh, je ne laisserai pas mon mail parce que je me suis tellement inscrit à des infolettes que ma boîte de réception est juste. Elle a juste plein de newsletters qui passent, puis je ne regarde pas trop les mails. <laughs> mais via LinkedIn, vous pouvez m'écrire. Puis je tiens juste à mettre mon entreprise à l'avant, TechStart. Mm -hmm. Donc, si ouais. vous êtes un entrepreneur qui a des besoins... Euh, j -j juridique pour créer votre entreprise, que ce soit une marque de commerce ou une incorporation, on est là, on travaille avec des avocats qui vont vulgariser tout le côté juridique pour vous, puis on travaille mm -hmm. très fort pour euh, aider les entrepreneurs à créer leur entreprise de rêve, et euh, donc, on est là, tout est à préfixe, tout est en ligne. Et euh, jusqu'à un certain point, j'espère que le branding va bien représenter ce que je dis, <laughs> parce qu'on a travaillé <laughs> fort, je guess. Avec Mais les voilà. gens qui veulent en savoir plus, lexstart.ca, L-E-X-S-T-A-R-T.ca. Merci, merci beaucoup Isabelle. Isaël, pour ma part, si vous voulez justement de la vidéo qui représente bien votre branding, votre image de marque de façon authentique et qui va donner le goût à vos visiteurs de votre site Web, à vos clients idéaux de faire affaire avec vous, je vous invite à me contacter également soit sur LinkedIn ou encore via mon site Web Mathieu Chevalier. Com. Merci Isaël. ça a été un épisode extrêmement intéressant. C'est sûr que je veux en, en faire un autre avec toi éventuellement. Euh, merci merci beaucoup, infiniment de ta générosité. Merci beaucoup Mathieu et euh, je, je remercie aussi toutes les personnes qui ont euh, pris le temps de poser des questions pendant leur heure de lunch en jeudi. <laughs> oui, tu fais bien de le mentionner. On a, eu, on a rarement eu autant de commentaires et de questions. Merci beaucoup à tout le monde. Au plaisir merci de vous. se recroiser. Merci et... À la voyure Bye bye <laughs> Ciao